salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Evoland 2 sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés dans l'auberge où nous allions dans la cour intérieure pour parler à Monsieur Lambrouille, hein, qui est là. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Donc on va tout de suite continuer à jouer. Vous cherchez à quitter la ville? Je dois pouvoir vous arranger ça. Vous avez de quoi palper? Du flouze, de l'oseille, de quoi fluidifier nos relations? Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais c'est juste que la mienne se paye comptant. Kuro, ce type ne m'assure pas confiance, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se traiter avec lui. La demoiselle a raison, du moins en théorie. Mais j'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix. Dans l'armée, on dit souvent que la fin justifie les moyens. Je pense que cette maxime s'applique dans ce genre de cas. Mais je te laisse choisir la meilleure stratégie, Solix Snail. Alors, intéressé? Non. C'est vous qui voyez. Qu'on ne vienne pas dire que je vous force la main, mais à votre place, moi en tout cas, je ne suis pas pressé. Bon, on n'a pas vraiment le choix en fait. Ah, je crois qu'on va bien s'entendre. Que direz-vous d'une petite caution pour faciliter l'organisation? Disons, voyons, aux alentours de 770 pour commencer. What? Non, c'est vous qui voyez. 770? Mais c'est tout mon fric? Va crever! Il doit avoir obligatoirement un autre moyen. Dites-moi qu'il y a un autre moyen, quoi. Ce serait assez chiant sinon. Bon, bah, y a pas d'autre moyen. Ok, allons-y. Allons se faire voler. À moins que... Je vais essayer, hein, on sait jamais. Comment ça, tant pis pour moi? Mais je dis oui par les deux cas, oh là là. C'est bizarre ça. Bon bah allons-y, on n'a pas le choix. Hein. On va tout payer. Ouais d'accord, c'était obligé en fait. Toujours est-il que mon assistante à l'auberge pourra vous aider à trouver de petits boulots en échange. Je sais, ce n'est pas grand confort. Mais pensez à votre vie d'après, libre et loin de l'Empire. Allez, bon courage. Ok, bah allons-y. Hein. Je change du boulot pour pouvoir payer Monsieur Lambrouille du travail. Voyons voir. Ah, ça va être chiant. Ok, bon bah allons-y, hein. Espérons qu'on récupérera notre argent à la fin. Le McDo, sauf que c'est un M à l'envers.
Ok. Allez, c'est parti. Les deux commandes directement. C'est parti. Ah, j'aurais peut-être dû lire. Tarte du chef, d'accord. Un flûte. Désolé ma chère dame. Alors. Burger et une salade. Une salade. Ça c'est chiant, une teinte du chef, voilà. Plat du jour s'il vous plaît. Teinte du chef s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est ça, désolé, ça va être chaud. Salade, salade. C'est chaud hein, quand même. Woodburger. Plat du jour. Salade s'il vous plaît. Alors, lequel des deux va être fait en premier? Lequel des deux? Celui d'en haut. Je pense que j'ai fait quelques erreurs. C'est fin du service.
pense. D'accord. Ah oui, c'est notre job. Hein. Oh, c'est déjà le soir. Quelle journée, il est grand temps que je retourne à l'auberge. Peut-être, mais avant. C'est un jeu très prenant et je ne sais pas si je dois arrêter ou continuer. Apparemment, on a pas mal de choses de gagner, mais alors pourquoi les gagnants sont-ils si rares? Oh non, j'ai encore perdu toutes mes économies. La prochaine fois, j'aurai plus de chance, c'est sûr. J'ai presque gagné cette fois. Je vais finir par gagner, je serai riche comme de la mare, c'est certain. Il y a de la triche dans l'air. Vous voulez jouer? Jeu du million? Okay. Vous voulez apprendre les règles? Oui. 9 cartes sur la table. Vous devez les retourner 2 à 2 sans tomber sur la carte de la mort. Gagnez ensuite en fonction du nombre de paires retournées. Si vous arrivez à retourner les 4 paires, bingo. Vous remportez un million. Vous voulez apprendre les règles? Ah, le café. Est-ce que ce sera obligé en fait? On retente une dernière fois. Oh, ouais, d'accord, je suis fort. On continue, allez. Ah, flûte. On continue. Je veux. Ah, flûte, je me trompe. Putain, c'est assez chaud quand même de diriger la souris. Hein. La souris, qu'est-ce que j'en raconte? On dirait qu'elle bouge quand même. On tente une dernière fois. On dirait que c'est un piège. Je vais essayer de voir si j'ai accès à... où ça déjà? Ah oui, la bibliothèque. Ici c'est quoi? Ouais... La bibliothèque c'est plus haut, plus haut. Je n'ai pas l'air d'y avoir accès, même s'il fait nuit. Bon allez, retourne encore une fois. Ah, les jeux du hasard. Ah, presque. Mais vraiment presque, quoi. Ah, oh, c'est blague. J'y arriverai. J'y arriverai, je dis. Fou, je mettrai tout. Je mettrai tout, j'ai dit. Bah, c'est pas là. Dommage. Quel dommage, c'est pas grave. Au moins, on aura essayé. Je sais même pas si on peut y gagner vraiment. Ok, on va essayer un autre job en même temps.
Bon. Ça va être une vidéo spéciale, ça, je sens. Ton moment préféré du vieux whisky. Je déteste ma famille. Ok. Porte bonheur dans mon coffre. Quoi. Ok. What? Non. Revenez. Est-ce que ça marche ici? Je le fais rapidement, désolé. Je fais tout rapidement. Alors... Donc c'est bien ce que je pensais, c'était un jeu truqué... Alors là, dans l'auberge, il va y avoir du monde... Oh. Nice.
Un bonbon. C'est ce qu'il me fallait. Qui est fait, allons-y. Retournons chez notre ami. Et donc en même temps, on peut avoir le porte-bonheur. Nice. Ça, je devrais avoir de la chance au jeu. Ah, mais bien sûr. J'ai compris. D'accord. Ok, donc c'est truqué. Donc ça fait plein d'argent. Et on va peut-être faire la dernière. Avant de s'arrêter là, ça fera une vidéo un petit peu plus longue, mais on va faire la dernière. Comment ça s'appelle déjà? Le dernier travail. Comme ça, on aura tout fait. Donc c'est tout à gauche, voilà. Oh, ça va être chiant. Ah mais... Je vois, d'accord. Les enfants que vous voyez là sont en fait les enfants de Mother. Le jeu Mother. Bon, par contre, vous cachez pas dans la maison, hein, sinon c'est pas marrant. Oh, je sens qu'ils se cachent dans les herbes. Ça va être marrant. Qui se cache bien dans les bâtiments. On va tout fouiller, hein. On va tout fouiller. On s'arrêtera là dans la prochaine vidéo. Nous parlons à l'homme, à monsieur l'embrouille, pour valider tout ça et passer à la suite du jeu. Eh ouais, ouais, eh ouais, 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 Julien Lepers.
S'il se cache par contre dans les... Il y en a un là. T'es trop forte, madame. Donc il me reste plus que deux à trouver. Ça, c'est encore un clin d'œil à Zelda. Désolé si je fais du bruit. Alors, est-ce qu'ils oseraient rentrer là? Ils osent. Ah non, ah non, c'est pas elle. Je n'ai rien dit. C'est elle. Non, pas du tout. Ah, c'est elle. Plus qu'une. S'il me dit qu'il est dans les égouts, ça va être marrant. Je crois que l'enfant qui est là, c'est Lucas ou Ness, je ne sais plus. C'est l'un des deux de toute façon. Mais c'est d'être Elliot. Les deux, j'étais dans l'auberge. Ouais, je triche, je vois à travers les murs. Oh, ils ont été très sages. Voilà qui est bon. C'est une quête quotidienne? Non, merci. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheZZTL. Prochain type à l'HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.